Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons préparer ensemble des tacos. Donc, c'est des tacos faits maison à 100%. Le pain à tortilla fait maison. Vous trouverez la vidéo en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Pareil pour ici, j'ai des poulets marinés. J'ai déjà réalisé une vidéo pour le dinde mariné. Donc, c'est la même chose. Vous remplacez juste le dinde avec le poulet. J'ai ici des frites, quelques tranches de tomates, d'oignons et des cornichons. J'ai des tranchettes de gouda. J'ai ici le fromage à l'ail et aux fines herbes et un petit peu de mayonnaise. C'est facultatif. Alors, on va réaliser le premier tacos. Ça sera un tacos de taille petite. On prend une cuillère du fromage à l'ail et aux herbes. Je vais étaler sur mon tortilla. J'ajoute un petit peu de frites. Ma marinade, le poulet. Le poulet est coupé en cubes. J'ajoute un petit peu d'oignon. Les tomates et mes cornichons. J'ajoute quelques gouttes de mayo. Vous pouvez ne pas utiliser, mais ça sera bien avec les tomates. Une demi-tranche de gouda. Hop. Et je couvre mon tacos sous forme d'un petit carré. Voilà le premier. Et je referme comme ça. Et je mets dans mon appareil à sandwich. Et je ferme bien et je laisse de côté. Maintenant, on va réaliser un tacos de taille L ou XL si vous voulez. On prend deux feuilles de tortilla. On va les coller comme ça. Et toute ma marinade et les ingrédients, je vais les rajouter au milieu. Le fromage. J'ajoute encore, c'est gros. Voilà. Mes frites. La marinade de poulet. Des tranches de tomates. Et un petit peu de cornichon, quelques gouttes de mayo, et je finis avec ma tranche de gouda. Je couvre de la même manière mon tacos sur les bords et après les côtés et hop, hop, je tiens bien les côtés et je ferme. Voilà, je passe à mon appareil. Et je sers bien. Voilà. Notre premier tacos, le petit, est prêt. On le prend. Et je vais tourner pour avoir une jolie dorure. Et voici le dernier, qu'on a appelé tacos XL, est prêt.
Et voici nos tacos. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et à très bientôt pour une nouvelle recette, les amis.